Salut YouTube, si vous regardez c'est, ça, c'est, on joue à cache-cache. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, cent. Voilà comment je joue à cache-cache. Déglingus va se faire déglinguer par lui-même. Non. Alors, absolument pas. On a Ardarin qui me dit la violence comme solution, c'est pas comme ça qu'on bâtit des nations, monsieur. Con quoi ? Ouais, faut voir. Bon, bah, du coup, on joue pas, là, c'est la pause. Bah, ça y est, moi, j'aimerais bien qu'on arrête la pause. Attends. Ah, parce que c'est bien beau de relancer le bordel, mais si derrière, en plus, on joue pas. Bah, ouais. Comment je rejoins le pacte défensif? Attends, mais elle a des titres, ma femme? Mais regarde, tu t'épouses un peu, bordel. Ah ouais, mais ma femme, elle est comtesse. Elle mène des troupes et tout. Elle peut revendiquer le royaume d'Espagne. Impressionnant. Alors moi, je veux rejoindre un pacte fout, défensif. C'est qui ces gens? Mais c'est trop bien, me v'là devenu humble. Il est bien ce personnage. Patient, honnête et humble. Ok, bah me voilà de nouveau en guerre. Eh ben putain. Décidément. Salut Kassim. Salut Kassim, bienvenue. Alors tu me dois une faveur, John, mais je sais pas comment te la demander. De quoi? Tu me dois une faveur. Oui, je sais. Mais je sais pas comment te la demander. Bah, tu me la demandes pas. Alors, si dans le chat quelqu'un sait comment je fais pour demander la faveur que John me doit, bah, vous me dites. Parce que ça m'intéresse, franchement. Vous comprenez? Après, il est pas obligé de se quitter. Tu oui, oui, non, je suis obligé de le faire. Totalement. Bah, je sais pas. Non, t'es forcé. Quand tu dois une faveur. Mais je peux faire un comptoir, mais où ça? Les gars, ils me disent, ouais, possibilité de faire un comptoir 1, 0 sur 1, mais où? Que dalle? Où est-ce que t'as des terres? Ils disent surtout de la merde, les gars. Ouais, je pense, ouais. Duc de Ferrare. Bon, je vais envahir mon dernier comté en Bavière, et puis bah, je laisserai Julien plier ça après. Mais non, je vois pas trop où tu peux faire des comptoirs. Bah moi non plus, c'est pour ça. C'est très étonnant. Bon, enfin bref. C'est pas le plus étonnant que j'ai vu. Est-ce que j'ai rejoint le pacte défensif? Oui. Très bien. Pour s'opposer à qui? Aux Omeyyades. Fortif du château, ouais non. Si on fout un peu. Guerre, les autres sont obligés de venir m'aider. D'accord. Après, c'est pas un pacte défensif avec des gens très forts, donc c'est un peu emmerdant. Qu'est-ce qui se passe en Pologne? Il y a une révolte, une révolution? Soyez bénis, gna gna gna. Soyez bénis, gna gna gna. Alors, on nous demande ce qui s'est passé en une heure. Bah, pas mal de choses, des guerres. J'ai perdu Melgueil. Ouais, bon, la Bourgogne s'est un peu rétrécie, les Oumayades sont en train de prospérer et ça pue grave. Ouais. Genre grave même. Moi, je désespère de réussir à faire une revendication sur un territoire. Parce que c'est long. Mais genre vraiment très très long. Oh. Allez, on va prendre Salzbourg et après... Ah, mon chancelier est décédé. Si tu veux, mec. Ah. Si tu veux, comme ça en plus d'être moche, tu seras consanguin. Je sais pas si c'est bien, alors... Ah la vache, y'a plus personne qui vote pour lui, c'est la tuile. Mais arrêtez de voter pour de la merde, les gars, putain. C'est n'importe quoi ce que vous faites. Mon candidat, c'était le seul valable. Là, ils sont en train de nommer un trou-duc tout pourri. Ah mais il faut que putain, je le bute. Je suis mort. Faut que je le bute. Il faut qu'il meure, lui. Okay, c'est pas possible. Ok. Bah, mais on pose. Tu n'es plus roi de Lombardie. Il y a un problème là. Bah non, t'es juste plus roi de Lombardie. T'as pas gagné l'élection. Ah merde. Bah pourtant si. T'en sais quoi le bordel? Tu n'es plus roi, tu es devenu duc. Dommage. Tu es duc Rodolphe de Calin. C'est quoi?
T'as bien surveillé l'élection pour le royaume de Lombardie ou... Ah bah oui, je pense bien, oui. C'était... Il aurait fallu surveiller mieux. Ça arrange pas les affaires de Tibbs. Bah ça m'arrange pas des masses, cette histoire là. Ils ont pas voté pour toi apparemment. Ils ont pas voté pour ton héritier. C'est quoi ce délire là? Il y avait eu trop de gens qui votaient pour quelqu'un d'autre. Non mais c'est bon, hey, tu vas le regagner ton trône, arrête, ça va. Hein. Bon, c'est fâcheux, mais c'est pas non plus... Ça va le faire. Dramatique. Ah bah, si, moi je pense que si, ouais. Moi je pense que c'est fâcheux. Ah ouais, je pense bien, oui. Oui, non mais c'est fâcheux, mais c'est pas non plus fâcheux ah, à ce point-là. Ah là, d'accord. Attends, je peux lever 2000 hommes, c'est moi qui a fait tout le boulot depuis le départ. C'est le problème de l'électif, hein, faut faire attention. Bon, il te reste encore un bon territoire et je pense que tu peux faire quelque chose avec ça. Tibbs fait en sorte de prendre le trône maintenant. Bah, je veux bien, mais je suis pas dans les petits papiers de grand monde en fait. Comment je pourrais faire là pour redevenir roi là, il y a personne qui vote pour moi pour le coup. Redevenir roi et tu pourrais. Je relance la partie. Oui, vas-y. Tu pourrais. Bah, c'est qui le roi actuellement là? Ah, bah alors déjà, c'est il a. Gros connard. D'ailleurs, je peux même pas désigner quelqu'un. Moi, je peux même pas voter pour quelqu'un quoi. Il a mis sa capitale en Corse. Le mec, il a confiance. Ah bah chouette, pile poil quand il y a 6000 personnes qui débarquent chez moi comme de par hasard. Ah bah là, va falloir faire des concessions. C'est le fun. Le fun est mort. Ah le fun est mort ce soir, ouais. Bah j'espère que mon héritier aussi d'ailleurs parce qu'il pue du cul. Putain d'ailleurs si on nommait un héritier nous... Oh toi, mais alors toi... Moi je pense qu'il va tomber d'un parapet moi. Mmh. Malencontreusement tu sais. Putain, lui, il est bon, lui. Pourquoi c'est pas lui, le roi? Il est complètement bien, lui. C'est pas ça, les gars, là. C'est rien à foutre, là, ça. Diplomatie plus 1. Ah, bah là, on va se faire piller le fion, mais quelque chose de bien. Ah non! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ces armes? Oh, la Bavière vient de me mettre en lait. Mais comment c'est possible? Ma femme vient de se faire usurper son comté. Ils se sont alliés à Venise. Oh, les fils. Enfin, je veux dire... Les fils. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est pris par qui, ça? Oh, les fils. Putain. Pourquoi je peux l'emprisonner? Alors attends, assigner un tuteur. Triste histoire. Bon. Apparemment, je peux emprisonner ma belle-sœur. Qu'est-ce qui se passe? Faisons ça. Oh là là, j'en reviens pas, putain, j'en reviens pas que les Autrichiens, enfin, les Bavarois et voilà, ça a cramé, putain. Faire ça. Ça a salement cramé, putain. C'est la merde chez tout le monde, là, voilà, pour résumer. Ah oui, c'est un peu l'idée, ouais. Il y a 10 000 Germains qui pillent, je peux rien faire. Parce que j'ai pas les hommes. Ça commence à repartir, les gars. Quoi. Jamais. C'est alors pause. C'est quoi investiture libre pour les candidats? Tout le monde. Les trucs religieux, ça. Ouais, je sais pas. Tout le monde peut être candidat. Non, investiture. Ah, les religieux. Investiture libre, ça veut dire que tu peux nommer les évêques. Attends, t'es en train de m'appeler à la guerre contre la Lombardie, là? Oui, viens. T'es sérieux? Mais ils sont 8000! L'autre, il veut... Non, ils sont plus que 3000, mais il veut révoquer mes titres. Bah, ah, attends, ils sont... Non, mais hey, y a des alliés, hein. Si t'y vas, c'est bon, c'est gagné, hein. Ouais, vous êtes... T'as des alliés, hein?
Ben oui, j'ai des alliés. Regarde la moitié de la Lombardie, elle est prise en guerre, forcément. Regarde le mec qui veut révoquer mes titres, il est taré. Je vais le défoncer. Je suis l'ancien roi et le mec, je suis l'ancien roi et le mec, il croit qu'il va. Ouais, alors c'est toi, c'est mon beau-frère, c'est toi. Bah oui, c'est moi. C'est Rodolphe, hein. Oui, Rodolphe. C'est moi. J'accepte. À contre-cœur. Comme idiot, il a la chemise versatile. Il était à deux doigts de pas venir là. Merde. Ah, j'ai levé tout le monde n'importe comment, putain. Bon, c'est pas grave. Mais putain, mais ils sont 1000, c'est con. On met la pause, enfin le play, je veux dire. Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'était une idée. J'ai fait un peu du caca là. Assez rare, mais mon conseil m'aime plutôt bien. Moi, mon conseil me kiffe ça. On va étudier avec les maîtres espions, on va étudier les technologies parce qu'on l'a pas fait depuis le début du jeu. Ouais, mais c'est pour ça si t'as pris du retard. Ok. Bah, j'espère que. Ouais, il y a quand même 8000 hommes, l'armée de Taïk, c'est quoi là? Oui, oui, non, mais ça on s'en fout, tu passes à côté, tu l'esquives. Ouais, tu fais un détour. Ça pue du fion votre affaire, je vous le dis tout de suite que si jamais ça tourne mal, je suis le premier à foutre le camp. Hein. Mais non, c'est... ça va pas. Ah, lui, si, là, si, il a que 3000 hommes, il a que 3000 fois en ma cause. Déjà, à moi tout seul, je suis déjà à 3000. Viens. Mais c'est fait, j'ai rejoint le bordel là, mais je suis quand même pas serein. Mais si. J'ai pas rejoint votre royaume pour être emmerdé. Ah bah. C'est pas de ma faute, hein. Hey, moi, tu as décidé. Mais t'as qu'à assassiner les gens, assassiner les prétendants, fais comme moi, c'est quoi le délire? Quand on sait pas faire de la politique, à un moment c'est chaud les trois, c'est sûr. Hein. On a pas eu le temps, le mec il est venu faire chier direct. Arrête de te chier dessus, Tibbs, et vas-y un peu dans le fight là. Bah, tu me prêtes tes hommes là, parce que c'est facile d'ouvrir sa gueule quand t'es à côté puis qu'on regarde. Ah non, moi je regarde. Attends, j'ai déjà des problèmes avec la Bavière, alors s'il te plaît, c'est pour bon, dire. Ouais, la Bavière, c'est trois comtés, le mec il a des problèmes, il vient me faire les leçons. T'es. Bon, allez. J'ai le popcorn et je regarde par-dessus les Alpes, alors qu'est-ce qui se passe de l'autre côté là. Il s'embrouille, les mecs. Il s'embrouille, les Rital. Trois défaites, trois. Ouais, bah oui. Forcément. Cassons-nous vite. Oui, comme tout faire. Ah, me l'a devenu poète. C'est un poète. C'est très bien. Ouais. Je serais déplacé. Et si on arrêtait de faire de la théologie? Merde, on peut pas changer avant quand? Pas tringler la grosse. Hop. Ah si, on peut changer. De quoi on manque? D'intendance. Alors, 22, 18... Tu vois déjà, moi tout seul, là déjà, je lève plus de 4000 hommes. Bah j'en suis ravi, parce que moi c'est pas le cas, ils sont 1800 chez moi et je suis que 1200. Et j'ai encore 2000 hommes qui arrivent. Bah je suis ravi de l'apprendre. Tu vas voir. Mais c'est toujours pas assez. Il est malade. Un roi de merde. Qui? Bah le roi de Lombardie là. Ah oui oui, il est un peu con du coup, oui, on est d'accord. Et quand tu seras redevenu roi, tu seras gentil de t'occuper de... De t'occuper de Venise là qui commence à me courir sur le haricot. Oui, t'inquiète pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils te font, Venise? Non, parce qu'ils sont alliés à la Bavière et que du coup je peux pas envahir la Bavière comme j'ai envie. Ah, ça va péter grave cette histoire. Ok, il est où maintenant le Popol? Il s'est barré avec son armée là? Il y a 1800 connards chez moi, il y en a 3000 autres qui arrivent. Où? Bah tous chez moi en fait, hein, voilà. Ah bah attends, j'arrive, c'est parce qu'il a fait le tour. Je vais aller faire le tour. Lui il se barre, est-ce que lui il pourrait bien? Il a est-ce fait le tour, il a fait le tour, il m'arrive droit dans la gueule. Pure polonaise. C'est quoi, organisation tribale minimale? Ouais. On va se mettre bien avec le roi de Pologne. Alors, oui. Il y a 5500 hommes, il a rejoint toute son armée. Hein. Viens, suis son armée juste derrière, j'essaie de... J'arrive. Je suis son armée. T'essayes d'arriver? Tu fais quoi? Oui, oui, oui. Je vais aller suivre son armée. Ok, bah on suit nous aussi. Dans la plus grande, comment dire, confiance. Allez, courage, Tibbs, courage. Le courage, j'en ai pas en stock. On envahit quoi, la conquête de... On envahit tout ça? Tout ça?
Ah mais je suis trop près là, je vais me faire défoncer. Non, attends, ralentis. Ah bah je ralentis, ouais, je fais des manœuvres, hein, je tourne en rond en attendant qu'il se passe un truc. Lol, dans mon armée, il y a un flanc où il y a pas de, il y a zéro soldat, mais j'ai quand même un commandant dessus. Et on peut pas, avec toute cette religion, à envoyer des guerriers, des fervents guerriers là. Sans ordre, c'est impossible. Bon bah j'approche du coup. Oui, oui, on a levé une armée tribale. Enfin. Attends, on va rouler sur la Bavière, un truc bien. Tu attaques là? Ouais, j'y vais. Putain, mais mon pays il est en ruine, quoi. Je me rappelle comment. T'arrives le 11 mars. Un moment, on se faisait 20 boules par mois. Et là, t'es à combien? 10, quoi, putain. Ah, oh, je suis à 3,90. Ne t'inquiète pas. Très content. La Transylvanie arrive de dos. De nuit, dans le brouillard. Ya! Les contes vampires, hein. Les contes vampires, mais c'est un peu l'idée. Ah, vous l'avez pas vu venir, celle-là, hein, tas de fumier. Non, on l'a mis en déroute. Vous en êtes toutes, votre guerre. Et dire que je t'ai filé deux filles. Tout ça pour qu'elles deviennent duchesses. Ouais, parce que moi, je lui avais déjà refourgué deux filles à l'autre, là. T'inquiète pas, ouais. Je vais récupérer mon titre, je vais récupérer... Bon, j'aimerais bien arrêter de me faire piller, moi. 89% de victoire, cela dit. Oui, 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 c'est pour ça, on va y aller. C'est pourquoi j'ai 1000 balles? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que j'ai pillé? Pourquoi j'ai tant d'argent? Bah, te pose pas de questions et dépense-le vite. Pose pas de questions. C'est probablement... Ah, mais c'est parce que j'ai tué mon héritier, j'ai récupéré son blé, en fait. Ah, bah pas mal. Bon, il était faible et un peu maladif. Bon, c'est pas une raison pour mourir d'un coup de couteau, mais quand même. Mon seul enfant, il y a une fille qui peut pas hériter, à la grippe. T'es long. Ma famille, elle tombe en... C'est pas mon armée principale, là. C'est bien possible, mais t'es long quand même. Cours après. Je peux pas accélérer. Je t'attends du coup. Je peux pas le faire courir. On va où là d'ailleurs? On va sur quelle région? J'en sais rien. J'espère qu'il fait pas le tour. Nomination d'un successeur, pourquoi? Ah, attends. Pour la révolte lombarde? Bah moi. Offrir la paix à pied mes exigences, oui. Voilà, déjà, toi tu restes chez toi, ça ira très bien. Alors par contre, t'es pas devenu roi. Ah bah non, je suis pas encore devenu roi. Ah oui, c'est parce qu'il a voulu annuler tes titres. Bon, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est pété d'oseille. Ça, c'est vrai, une vraie bonne chose. Oui, des renforts, des guerriers. Mais je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire, moi. Survivre. Ben, ouais, c'est... Et bon, profitant pour attaquer la Lombardie, tant que c'est pas Julien qui est pas le roi. Mais je peux pas, je suis pas assez fort pour attaquer la Lombardie. Attaque, bah, Thuringe. C'est quoi ça, Thuringe? Thuringe, c'est le coup de duché indépendant là-haut. C'est ma prochaine cible. J'ai pas de revanche. Je peux pas, c'est pas frontalier. Ah oui, parce que moi j'ai les frontières et du coup, c'est mes prochains. Non, j'ai les Oumeyades, la France ou la Lombardie en voisin. Mais il est en train de me piller, ce con. Ah ouais, mais non, mais en fait, il est un peu bad. Putain, il est vaudois lui. Mais il est complètement... C'est un duché qui est complètement vaudois. Ah la vache. Ah mais il n'y a plus personne aussi là. Et pourquoi c'est vaudois? Je vais quand même pas lui laisser piller mon... Vaudois. Putain. Bah Julien, t'as récupéré pas mal de trucs là, quand même. Bah non. Bah. Il a juste rien perdu en fait. Ouais. Bah, t'as pas récupéré. Attends. Ouais, non, mais tu crois que tu m'emmerdes, toi? Tu m'emmerdes. Pourquoi t'es encore vivant? Déjà, je cherche à. T'es devenu prince?
Déjà, je suis t'es... prince. Je suis toujours, j'ai toujours été prince. Ah bah pardon, excuse-moi. Monsieur. Alors déjà, tu baisses d'un ton, hein, prince, ok. Et puis en fait, la Thuringe, il peut lever 4300 hommes, alors ça m'intéresse pas trop de l'attaquer. Putain, j'ai levé des hommes, mais je sais pas où. Comment je fais ça pour des zooms à fond, et ouais, sélectionne tout, et normalement... La conquête de Nidaros. Quoi, mais bah, qu'est-ce que... T'as des hommes levés, t'es sûr de ça? Eh oui, il me dit, attends. Ah, je suis en train de niquer l'armée. On peut pas déclarer de guerre, nous ne pouvons pas déclarer de guerre si vous avez le. Déjà des troupes. Attends. Bah, je peux, elles sont tes hommes. Tu veux que je te dise? T'as forcément. Regarde dans ton onglet armée, ça te dit combien il y en a qui sont levés. Ah, les pillards de merde, là, on va les défoncer, les pillards pourris. Hein, alors? Ben attends, je cherche l'onglet armée, je l'ai pas moi. Mais si, t'as l'onglet. Ou pas. C'est à côté de l'onglet technologie, à droite. C'est nous qui nous faisons défoncer en fait. En haut là, quand tu fixes sur ton personnage, enfin à côté de ton personnage. Ouais. T'as conseil, loi, technologie et armée. Mais ça te dit pas où elles sont. Ouais, mais ça te dit combien t'en as, ça peut te donner une idée. Bah, tu déconnes, mais j'ai rien. Mais t'es sérieux là? Le menu en haut à gauche. Oui, le menu en haut à gauche. Mais là où tu vas pour lever tes armées, quoi. Oui, je l'ai, mais. Eh ben, quand tu cliques dessus, t'as du domaine. Oui, bah c'est ce que je te dis. Mais j'ai bien ça, mais y a rien qui. Y a rien qui est levé. Ah non. Ça met 0, 0. C'est très étrange tout ça. En effectif mobilisé, ça te met 0? Bah oui, du domaine 0, des vassaux 0. J'ai rien de mobilisé. Est-ce que... Bah écoute, je sais pas, démerde-toi, j'en ai marre. Ah, attends, alors, putain, c'est bon. Ah bah tiens. Je me suis fait offrir un autre doigt d'un saint. Ah, du coup, t'as remplacé l'autre? C'est bon, j'ai de nouveau un doigt d'un os. Ah, mon roi vient de créer... Bah félicitations, j'imagine. Ah, ouais, mon chapelain, non, il est mort. On n'a pas de troupe d'Evans, nous, on est catholiques. On est chrétiens. Bah là, si on n'a pas pris pied sur l'autre rive du Danube, je sais pas ce que c'est. Hein. T'as enfin réussi, c'est bon? Oui, après moult péripéties. Eh ben, la Pologne, c'est vraiment une histoire qui roule. Hein. Moi, je conseillerais à Tips de se défaire de sa tutelle lombarde et d'embrasser la religion. On est quoi comme religion, nous? Ah non, mais moi, je suis chrétien. Comment? On est slave. Je suis chrétien depuis le début, je reste chrétien. Hein. Oh. Là, on peut lui déclarer la guerre pour l'assujettir, lui, mais totalement. Et ça, c'est quoi? On peut attaquer ce truc-là, ouh, cette merde? Regardez-moi ça. On peut totalement... On peut pas lui déclarer la guerre. Il a quel âge, machin? Il a 4 ans. Ah, on doit avoir un casus belli. On doit avoir un casus belli, d'accord. Est-ce qu'on peut attaquer... Bon. L'histoire dit qu'un jour, on arrivera à faire une revendication sur Usora. Un jour. Il est en train de se faire défoncer, le roi lombard, là, non? Je suis même pas dans la ligne des successions, quoi. C'est moi non plus. C'est un vrai scandale. Ah, oh, mais je l'ai devenu brave. C'est le duc de Ferrari, là, qui passerait. Le quoi? C'est le duc de Ferrari qui deviendrait roi. C'est ce que je vous dis. Ah. Putain, mais c'est pas normal, quoi. C'est moi qui allais... Putain, c'est quoi ce... Mais merdier. Ah, c'est le micmac des... Il y a comme un micmac, en effet. Putain, quoi. Ça me blase, mais ça me blase. Qu'est-ce qu'il y a? Il est blasé. Bah rien, mais putain, je suis roi et droit, je deviens duc. C'est pas normal, quoi. Ah, bah, c'est l'élection, mon gars. C'est la vie, hein. Mais c'est pas très grave. Quand ça arrive au PNJ, on s'en fout, mais quand ça arrive à nous... quand ça nous arrive à nous, moi... Mais non, mais quand c'est le PNJ, quoi. Juste avant, c'était mon héritier qui touchait, quoi.
Ouais, c'est un peu dommage. T'as dû louper un vote. Putain, mais ça me... Oh ah là là, bah, hey, mais t'inquiète, hein, tu vas leur gagner ton trône. Non, parce qu'il l'avait bien gagné par élection, hein, le gars. Il avait marqué par élection. Il a été élu, démocratiquement, tout ça. Bon, moi, je profite d'avoir ces 100 balles, là, pour créer un nouveau château sur ma capitale. Ça devrait renforcer, franchement, mes capacités militaires. Je sais pas d'où je sors le pognon, mais quelle que soit son origine, il est le bienvenu. Je ne suis pas regardant. Alors. Bon, par contre, niveau scientifique... Hey, est-ce qu'on profiterait pas que... C'est un peu la dèche. Nous aime tous, là, pour passer des lois, peut-être, un peu. Hein? Ça fait un bout de temps, hein. Et en succession, est-ce qu'on mettrait pas... Ouais, non, on va laisser comme ça. Ah ouais, mais attends, je suis capitaine. Non, c'est fini les conneries, les gars. Je me bats pas pour toi, capitaine, mec. Mon capitaine, vous n'êtes pas le capitaine. Ah, quoique, si, je peux complètement crever maintenant, c'est pas dérangeant. Alors, impôt de la part des vassaux citadins. Plus 20%. Levé... Non, on veut plus de troupes. On va repasser en équilibre. Bon, lui, il me kiffe. Fanatique, chercheur de gloire. Oh, allez, là! Qu'est-ce que tu veux? Acheter une faveur? Quoi? Elle veut pas? Encore une fille, putain. Ouais, ça arrive. Salut, allez, tout à fait. Là. Yes. Bon alors. Ah voilà. Et normalement on gagne plus de sous. Un petit peu. Bon allez. Bon, on est passé à plus 3,85 par mois. Wouhou. Ah, je suis à 4. Non, 3,98. Merde, pourquoi on est descendu en dessous de 4? Ah, il y a des armées chez moi, non? Peut-être des pillards, voilà, c'est pour ça. Ah, oh, bah de toute façon, les 7000 pillards sont de retour. Putain, ça fait un bout de temps que je les ai pas vus. Et... Ça faisait un bail que je les avais pas vus, ces cons-là. Ça ne me manque guère. Ah, puis il y en a 5000 de l'autre côté, dis-moi aussi. Mais c'est quoi, ah, merde, c'est qui ça? C'est Ludeur le Juste. Ah, mais d'accord, on est en guerre contre lui en fait. Ludeur le Juste. Alors, à qui on pourrait déclarer la guerre ensuite? À la Lituanie, peut-être? Ah, c'est fâcheux, parce qu'on est en train de la paumer, la bataille contre Ludeur le Juste. Ou alors... Non, ça va. Il l'a gagné, ce con. Bon, bah, Julien, j'envahis la Bavière, hein, ce qu'il en reste, moi, du coup, hein. Bah vas-y, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cette blasitude. Ah mais totalement là. Mais la semaine prochaine tu rerolles en roi de Lombardie, et puis voilà. Encore. Dès que je perds. De toute façon, j'avais annoncé sur Twitter, le roi de Fred va mourir et John va perdre son héritier. C'est fait. T'es sérieux? Ouais. Oh, merde. Quel. J'ai rajouté que je me plaindrais à cause du pognon, c'est fait. J'avais rajouté que Deglingus devait tuer des gens via parapet, mais c'est pas encore fait. Alors, j'ai tué des gens, mais pas via parapet. Les traditions foutent le camp. Pourquoi il m'aime pas, lui? Qu'est-ce qu'il a? Mauvais type de gouvernement. Mais c'est quoi? Pourquoi ils ont tous le mauvais type de gouvernement? Mais n'importe quoi. Comment n'importe quoi. Juste comme ça. Mon frère, dont j'ai usurpé le titre, il a moins 120 avec moi.
jusqu'en 954. On est en 874, c'est-à-dire que le mec il est parti pour m'en vouloir pendant 90 ans. Ouais, ouais. Bah c'est histoire de dire qu'il t'en voudra toute sa vie en fait. Hein. Je suis un peu bloqué moi niveau expansion là du coup. Bah moi aussi. Parce qu'il faut que je crée aussi. Je peux pas avoir des... Et la France, je peux pas l'envahir Ah, titre est-ce mineur décernable. Déclarer la guerre. Moi, il n'y a plus de pillard, donc je suis en train de lentement reconstituer mes réserves. Il a que 4000 hommes, sauf que mon roi est déjà en guerre. On va se concentrer... Ah, peut-être la Serbie. Un petit bout de Serbie, là. Fais voir, déclarer la guerre. Et il est où, le roi de Serbie? C'est où? Putain, mon chaplain qui s'en met plein les fouilles. Ah merde, dommage. Je l'ai fait carteler, moi, un truc comme ça. C'est intolérable. Tu voles dans la caisse, enfoiré. Il a couiné. On peut rejoindre une société secrète. Les assassins? Assassins. Ah non, mais faut être shit. Mais pourquoi je peux, moi? Ah, je montre de l'intérêt pour la société des assassins. Bon, ma foi. Par contre, je vais pas me convertir aux... Les habitants de Bourgogne ont progressé au-delà. Ah oui, parce que je pique des technos en Bourgogne aussi. Pourquoi je le... Ah si. Parfait. J'ai chopé mon oncle et maintenant je vais le bannir. Et récupérer son pognon. Merci, au revoir, mec. Bon voyage. Adieu. Triste histoire, encore une fois. Il y a combien d'hommes, le roi de 2200? Moi, je suis à combien? 1900. Si on déclare la guerre, ce serait pour l'indépendance. Ça, on peut le faire. Mais... Tips de poulpe? Pourquoi le poulpe? Je ne suis pas un poulpe, je suis un être humain. Bon, alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on attaque? Qu'est-ce qui se passe? On pourrait mettre l'avarie au pas, par exemple. C'est qui, lui? T'es qui, toi? T'es vassal de mon vassal. Donc t'es vassal, du coup. Techniquement. Qu'est-ce que c'est que ces barbares encore, là? Ok, attendez, stop. Je suis malade et il faut que je passe un vote au conseil avant que tout ça... ne finisse mal. Ouais. La France, quoi. Là, là, ça ressemble plus à rien. Allez. Vous allez tous voter... comme je le désire, voilà. Ou je vous écarterai. Ah, mais merde! Quoi, t'es mort? Non, mais il faut que j'attende, parce que... Ah, mais... Écrivons un livre. Plaît-il? Non, mais rien. Ok. J'ai pas réfléchi. Ouais, j'ai la grippe, vas-y, mais fais-moi crever, j'en ai rien à foutre. Ah merde. Triste. Allez, essayons quelque chose de nouveau, vas-y. Ah d'accord, Paul le Poulpe qui prédisait les résultats. J'ai guéri. J'ai guéri et je suis devenu eunuque. Ah merde. Bon, j'ai envie de dire... Bon, t'avais des enfants? Ah, deux filles, c'est dommage. Ouais, non, mais j'ai un neveu à moitié moisi qui est mon héritier. Nicolas Games, ouais, il a une bonne diplôme, mais... Ouais, bah, le reste, c'est acheté. Alors, Mlada Prémismil des morts. C'était ma grand-mère. Ouais, concile, c'est la mort, mais c'est pour ça que les sims qu'on joue avec le mode pour faire en sorte qu'il soit moins violent, en fait, le concile. Ouais, voilà. En fait, il y a le concile, mais... Il y a le concile, mais il y a le contre-concile, en fait, en mode. Ouais.
Parce que sinon, c'est ingérable. Déjà, comme ça, ça passe son temps à gueuler. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça, en plus. Tiens, Orléans est devenu un démon. Quoi ? Oh, mais le royaume de France, il part vraiment en lambeaux. Hein. Bah, de toute façon, il va partir d'autant plus en lambeaux quand je vais récupérer l'Allemagne. Hein. Tu vas récupérer l'Allemagne ? Ouais, c'est mon, comment, c'est mon héritier, le duc d'Allemagne, le maître espion de France. En fait, il va hériter de la Transylvanie. Donc je sais pas s'il va rester lombard ou s'il va tout passer français en fait. Parce qu'il a, il a des titres en... Bah mon héritier électif, il va devenir donc bah, duc c'est de tout ce merdier. Valérius. C'est Valérius. C'est Valérius de Allemagne. Mmh. Tu vois ? C'est fantastique ça, tu deviens... Et lui là, il a déjà un duché en France. Donc je sais pas comment ça va se passer. Normalement, on verra bien, ça sera la surprise. On touche pas au gouvernement, le conseil me kiffe, la succession c'est propre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des barbares qui osent venir chez moi ? 7 ans et déjà 6 en diplomatie, c'est pas mal. Ouais, du coup, on sait pas trop comment ça va se passer. Hein. C'est juste que j'espère que je vais rester transylvanien et pas passer français parce que c'est son titre principal ou une connerie du genre. Je n'ai pas d'enfant, pourquoi ? Ouais, aucune idée de ce qui va se passer. Je pense que j'ai une chance sur deux de rester lombard et une chance sur deux de passer français. Mais bon, la France, c'est un peu la merde en ce moment. Un peu. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, cette espèce de bâtard, il a réussi à piller mon territoire et se barrer. Ah, quoi. Mais non, mais je vais pas devenir vieux sac à merde. Sérieusement ? Am I become shit ? Enfin, bref. C'est pas dramatique non plus, c'est juste relou. Oh là là, je vais essayer. Attends, je vais entrer dans la secte des assassins. Oui. Il va falloir que je me convertisse, que je vais amener l'islam en Pologne, mon gars. Ah putain. Ça va être génial. Il y a déjà l'orthodoxie et le catholicisme. Mais ça va être génial, tu vois. Religion. Ah, c'est le bordel. C'est génial. Bon, je vais essayer de devenir dominicain, moi. Ah oui, non, il faut que je me convertisse. Non, mais ils vont me tomber dessus si je me convertis. Tu peux pas te convertir en secret ? Secrètement. Ah, voilà, secrètement. Et vous refusez de signer le serment d'allégeance. Oui, je signe pas, attends. Bah si, sinon tu ne me rends pas. Ah merde, bah si, bah j'ai loupé mon... Bah tant pis. T'es con. Voulez-vous rentrer dans la secte des assassins ? Oui, signez ici. Classim, je suis en partage électif salique. Si jamais j'ai deux titres de duc et que je passe l'autre titre en partage... Enfin, électif aussi, ça va être la merde, parce que je vais... à chaque fois, je vais séparer mes deux duchés. J'ai renoncé à ma foi secrète. Ça a pas duré longtemps. En fin de compte... C'était une phase, voilà. C'est pas une phase, tu vois. Mais d'où on fait la guerre à l'Islande, nous, d'abord ? Non, qu'est-ce que... On fait la guerre à l'Islande, quoi. Mais pourquoi ? Ah non, on fait la guerre à... Mais pourquoi ? Pourquoi, quoi ? Svijod. Ouais, bah, moi, je pourrais attaquer ça, là, ou ça, je sais pas trop. Et du coup, on a... On peut attaquer ça... Putain, Ilmen, ça n'existe plus. C'est quoi, c'est... Putain, j'en ai marre de récupérer des... Comment, le village d'Astérix à chaque fois que j'attaque quelque part, quoi. Sérieusement, Astérix, quoi. C'est là. Non, mais c'est ça, quoi. T'sais. Ça ressemble tellement à que dalle. Bon. Puis ils sont trop gros, maintenant. Ils sont trop gros, et puis de toute façon, j'ai pas les points, je suis pas assez épieux, paraît-il. Il y a 4000 hommes, lui. Bon, merde, France. Avec leur histoire de piété. Armée de Bavière. Ah ouais, non, mais d'accord. La Bavière est alliée avec
qui en fait hein? Il y a des pactes d'alliance avec la Venise. Loge de Venise. C'est tout. Oh, il me casse les noix. Bon, alors. Il faut que j'envahisse quelque chose là, ça me. Ah. Oh, mais non! Les fameux 10 000 vikings sont de retour. Moi, je peux lever 2 000 hommes, donc on va se calmer. Ouais. 1947, hein, on n'y est pas encore. Hein. On va former des troupes. Oula. Astérix contre les vampires. Hein. Astérix contre les vampires. J'avoue. J'ai décidé d'instituer la loi révocation de titre autorisé. Ouais, et ah non, j'ai refusé, moi. Ah. Moi aussi. Ah, et ça sent le rousseau. Mais c'est passé quand même. Ah, il y en a qui ont léché des... Hein. Bah, de toute façon, tu peux toujours dire non, techniquement. C'est ça. Tiens, pourquoi c'est ce qui se passe, quoi. Il y a actuellement 18 000 pillards en Bohème. Hein, donc vous me remercierez, parce que tant qu'ils sont chez moi, ils sont pas chez vous. Eh, mais je reconnais les bannières. Non, mais attends, le mec, il veut que je soutienne son complot pour tuer sa femme qui est son maître espion. C'est très étrange. Eh, mais il va te faire foutre. L'autre, il veut révoquer mon duché. Bah, non. Oh, putain. Encore? Eh ben oui, toujours et encore. On change pas une équipe qui vient. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils ont, les rois? En fait, ils ont peur que tu reviennes sur le trône. Hein. C'est ça. Le roi Odo. Bon, bah, c'est reparti, j'imagine. C'est ça. Et en même temps, Tibbs, tu lui dois bien ça. Et j'ai juré fidélité, c'est déjà pas mal, non? Ouais, non, mais bon, il est bienvenu t'aider quand il fallait, quoi. Oui, non, mais c'est à une autre échelle, ça. C'est politique. Tu veux pas comprendre? Ouais. Vous comprenez, c'est pas. Enfin, je veux dire, tout n'est pas si simple, en fait. Écoutez, Madame Royale. Est-ce qu'on veut être la Lombardie des aides sociales qui vont ruiner la France? C'est ça. Oh god. Qui je peux emprisonner? Et qui je peux attaquer, moi? Est-ce que je peux attaquer la Lombardie? Elle est faible. C'est un peu ça. C'est... Vous en voulez plus, les Tiberians? On va vous les passer au Karcher et tout. Vous en voulez plus, les Tiberians? Bon, on va vous en débarrasser. C'est ça. Ah, il y a une révolte Omeyane. Ah, oh. Bof, en fait. Ah non, quand même, hein, quand même. Mais je pense que c'est... Ouais, là, il faut complètement attaquer la révolte Omeyane et reprendre ton territoire. Ouais, enfin, la révolte Omeyane, elle a quand même 16 000 hommes. Ah. Pour combien de temps? Et en face, ils sont 20 000. Ouais, ils font comme ça. Donc, tu sais, la révolte Omeyane, elle nous éclate la gueule, si elle veut. Oui, mais elle ne le fera pas. Elle va être très occupée. Non, mais moi je l'attaque pas, quoi. C'est ce que je veux bah, dire. Tu devrais. Ben non, je vais me faire éclater, j'ai 3000 hommes. Mais il y a des opportunités qui s'ouvrent. De toute façon, je peux pas lui déclarer la guerre. Bon. Oh. Ce manque d'ambition me consterne. Je ne déclare pas la guerre à 3000 contre 16 000. C'est pas... Ça ne se fait point. Ça se fait, il faut juste qu'il remarque même pas. T'es tellement petit, il remarquera peut-être même pas que tu l'as attaqué et que t'as pris un comté. J'avoue. Non, c'était pas à nous, ça? Non, je pense pas. C'est pas possible. T'as la révolte lombarde sur les rives de la mer Noire, quoi. C'est ça. Allez, tu vas y arriver, Julien, t'inquiète pas. Ben, il manque 1000 hommes, là. Hop. Je gagne de l'argent, je sais pas quoi en faire, moi. Voyons, bah, j'ai une idée. En fait, j'ai ouvert la Fondation Tiberian, ce qui vient en aide aux Transylvaniens nécessiteux. La Fondation Tiberian. Et bah, on aura besoin de... Comment? C'est pour les enfants, Transylvaniens. Mm-hmm. Ceux qui se sont fait mordre par les vampires. Mm. Non, non, mais ça, c'est des ondits, faut pas croire ça, allons. Bien sûr, oui, oui. Donc on accepte les dons à partir de 25 pièces. Ouais, je vais plutôt construire des trucs. Putain. Alors, qu'est-ce qu'il... Putain, mais on va réussir à le buter, celui-là, ou merde, là? Bah, merde. Ah, je suis à deux doigts d'être en tyrannie et d'éclater des gueules. Qui ça?
Alors, faudrait un genre d'état tampon. Bah, on a un état tampon, elle s'appelle la Bourgogne. je suis aux premières loges, moi. Merde! Il y a 2000 hommes en train de piller ma capitale. Continue de faire tampon. Ça m'emmerde un peu par contre, parce que je suis pas là, quoi. Puis il va y arriver en plus à la faire tomber, la capitale, ce con. Mais j'ai pas assez d'hommes pour y faire quoi que ce soit, donc là par contre on est vraiment dans la merde. Qu'est-ce que... Quand même, en déclarant le royaume de Bourgogne, ils ont vachement affaibli la France, hein, au final. Mais ils ont fait que de la merde, c'est des boulets d'avoir fait ça. Ouais, non, il faut que je rentre chez moi, il faut que j'essaye de libérer ma capitale, sinon ça va vraiment pas le faire. Tant pis. À mon avis, j'y arriverai pas, mais... Tu seras bientôt je vais essayer. Le comte Julien. De je sais pas quoi. De Istrie, tiens. Ils t'ont exilé à la frontière, non. Tu seras comte dans le duché de Tibbs. Comte de Barlard. Non, mais attaquez pas les 8000 hommes, putain, qu'est-ce que vous êtes cons. Oh. La conquête polonaise de Vermaland, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est qui m'arrive dessus, les 8000 hommes, ils m'empêchent de bac. Quel fuck, vraiment, quoi. Pourquoi tu nommes jamais les types qui te soutiennent au conseil? Quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a conquis, là? Je comprends rien. Ah, d'accord. Buzilla de Guingamp est morte. C'était ma courtisane. Qu'est-ce qu'elle foutait là, Guingamp? T'es loin de chez toi. Il y a les 8000 hommes, ils vont débarquer dans la mêlée là-bas, ça va piquer. Et c'est à qui ces 8000 hommes? On sait pas. C'est l'armée de Tik. Taik. C'est un gars. Ah, mais oui, ils étaient chez moi en train de me piller. 100%! Hop là, offrir la paix. Oui. Tu l'auras jamais, mon trône bouffon, ouais. Bolos. Bolos, oui, c'est ça. Non, ça va, ils sont, mon conseil, il est bon. Ouais, j'aurais pas le temps, putain, je suis tellement deg, mon château va cramer, quoi. Ah oui, d'accord. Attends. Enfin, de toute façon, on n'a pas assez de... on peut rien y faire. Donc. Est-ce qu'on attaquerait pas la Bavière, du coup? Chier, putain. Alors, merde, on est en trêve avec la Bavière, encore un an. Encore un an, allez. C'est vrai que j'oublie toujours de regarder ces icônes-là. 2500 hommes. Ça passera jamais. Je peux rien du tout, en plus, là. Oh, y a pas de raison. Ouais, mais 1700 contre 2500, ça passe pas. Hein. Ah, ma femme Violette. Ah bah non, ça passera pas, ça passera jamais, ça. J'ai envie de dire, il est temps. C'est quoi, je vais tenter. Ça fait 10 ans que j'essaie d'avoir un enfant. Hein. Putain. On est en guerre, là? Non, ah, le royaume de Pologne est en paix, c'est rare. Assez rare pour être noté. Ouais, je sais pas quoi faire, J'ai plus rien à perdre. T'attaques qui? La révolte Oumeyade. Ah, oh, mais ils vont t'arracher. Non, je m'en branle. Ils sont peut-être... Après, ils sont peut-être loin, hein, en vrai. Je veux récupérer Malgueil, pour le dieu. Allez, bah vas-y, voilà. Et après, tu prendras le comté de Nice, à la Lombardie. Ouais, je tente, on est à 20-18. Quand même. On a quand même du gros général. 20-18, j'avoue, attends, les miens, ils sont pas terribles, je crois, en plus. On va recruter du commandant, fais voir, 16-16, ouais, 16 et 16, ça va. C'est le YOLO, là. Hein. Mais on va se faire défoncer quand même, de toute façon. Donc... C'est obligé. Là, ouais. Jeanne, au secours. Ah bah oui, là, mais que fait Jeanne, hein? La évocation de titre autorisé, putain. Triste. Ouais, non, c'est baisé. Ça, quand je pense Julien, que... t'as réussi à conserver ton...
Ah oui. Ouais, non, impossible. Probablement, l'audience aurait peut-être été mieux de faire une guerre simple, mais écoute, j'ai pas réfléchi. Voilà. C'est tout. Ouais, bah ouais, ils seraient tous venus après. Ouais, le truc, c'est que lui, il aurait pu appeler d'autres gens aussi. Bah, à part. C'est à double tranchant. T'aurais pu essayer de t'allier avec le Mali. Ils sont religion ouest-africaine. Ils auraient pu faire quelque chose. Je sais pas que c'est la faute. Quel rapport? Quel rapport? Bah, le prendre en sandwich entre le Mali et la France. Mais le Mali, c'est rien. Le Mali, c'est un énorme. Bon. La Strad. Et il y a deux royaumes de Mali, tiens, j'avais pas vu. Bah, on s'est fait salement piller la face. Je peux revendiquer simplement en fabriquant des revendications directement de la longue. Ça a coupé, on n'a pas entendu. Avec mon chancelier, est-ce que si je fais des revendications, est-ce que je peux revendiquer la Lombardie? Le royaume? Oui. Mais en fait, il faut que tu fasses une faction. Créer de faction et puis tu mets machin pour Lombardie, quoi. Tu t'appelles comment, toi? Moi, je suis Prince Rodolphe de Lombardie. Prince Rodolphe pour Lombardie? Voilà, moi j'ai créé le truc. Si tu veux rejoindre, tu peux rejoindre. Attends. Hop. Vas-y. Oh, the fuck! Voilà, on... on est à 82%. Ouais, il faudrait inviter d'autres gens dans la faction. De toute façon, croisade, guerre sainte, quoi, ok, ça aurait servi à rien, vu que la rébellion vient de se terminer, donc voilà, je l'ai dans l'os. On remballe. Et on peut pas inviter des gens dans la faction. Je pense qu'ils vont venir au bout d'un moment. J'emmerde Venise, je fais ma route commerciale. T'es pas loin, hein, t'es de nouveau dans le game, hein. Qui? Bah il a un vote. Bon, c'est pas le mien, parce que moi j'ai pas le droit de voter, je sais pas pourquoi, parce qu'ils sont racistes, j'imagine. Mais en... Ouais, mais c'est parce que toi t'es un sous-vassal, quoi. Et du coup, je peux demander au roi Lupo l'intronisation du prétendant. Ah, et moi j'ai créé une faction renversée. Non, ça sert à rien que je la fasse. Non, ça sert à rien. Il faudrait qu'on ait plus de gens qui rejoignent. En fait, il faudrait que tu fasses en sorte que les gens ils rejoignent la faction, quoi. Faudrait que je me fasse quoi? Bah, je pense que tu peux inviter des gens à rejoindre la faction. Bah, je vais inviter. Par exemple, je peux inviter Lambert de Gênes à faire Ribot, mais ça sert à rien. Oui. Ouais, c'est pas ça. Et c'est tout ce que j'ai. Comment je fais pour inviter des gens à la faction? Est-ce que... Va dans l'onglet des factions, là-haut, là, dans la petite barre. Julien. Dans l'onglet des factions, ouais. Est-ce que t'as faction du royaume de Lombardie? Oui. Et bah, normalement, il doit y en avoir une avec... Si Tils en a créé une. Ouais, mais je suis déjà dedans. Ah bah, d'accord. Mais on n'est pas assez nombreux. Ouais. C'est juste ça, quoi. On va faire une pause. Ouais. Tips, tu peux pas voir pour justement inviter les gens dans la faction? Bah, j'ai regardé, pour l'instant, non. T'es pas assez aimé ou. Bah, je sais pas, ils veulent pas. Mais ouais, on fait une pause, ouais. On pause? Ouais, bon, c'est plutôt calme hein, chez moi. Attends, est-ce qu'on peut attendre un peu?